Et bonjour à tous les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 12 décembre 2023. Donc avec à la une si on veut le retour du pack qui est jamais plus. Avec le corbeau en tenue légendaire, on dit de lui qu'il a le corps vidé, fait partie de l'ensemble jamais plus, saison 3, premier chapitre. Avec sa version Lego. La cage de fer, c'est son accessoire de dos légendaire, nul n'y échappera. Ravage, donc en tenue légendaire également, donc elle fait des cercles au-dessus de vos têtes. Avec sa version Lego. Les ailes noires, donc c'est leur accessoire de dos, un accessoire de dos des anges légendaires, prenez le butin à tire d'aile. Bec de fer, c'est une pioche rare, donc c'est la pioche rare, ça va voler au-dessus dans les plumes. Ensuite, vous avez mauvais augure, le planeur, donc rare, quand soudain semble crever le ciel et venant de nulle part. Et pour terminer, vous avez plume noire, donc il y a petite traînée, donc ajoutez du panache à votre chute libre, donc tout ça pour 3000 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, vous avez Kobo en tenue légendaire avec sa version Lego et sa cage de fer, accessoire de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Vous avez Ravage en tenue légendaire avec sa version Lego, ses ailes noires qui sont accessoires de dos légendaire et plume noire qui est sa traînée rare pour 2000 V-Bucks. Le bec de fer, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks. Mauvaise augure, c'est leur petit planeur rare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack diesel, donc avec le sachet diesel en rare, avec sticker rare 00, numéro 7, sticker épique, flamme c'est typique, le sticker, les ailes c'est typique également. Éclair, donc c'est encore un sticker typique, et rayure, le dernier sticker typique, tout ça pour 4000 V-Bucks. Hors pack, ensuite vous avez le pack cyclone, pardon, avec son ch châssis atypique, avec Bat Boy, pardon, c'est le sticker typique, flamme typique également, le Ita 99 typique, Silver aussi, rayure aussi, et Witou aussi également, donc voilà, avec plusieurs customs, tout ça pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Jaguar, donc avec la Jaguar 619, donc avec le châssis atypique, avec Pro du circuit, donc un premier sticker typique, Euphorie un deuxième, Kraken un troisième. Un quatrième avis de tempête, cinquième rayure et sixième le sommet, donc tout ça pour 2500 V-Bucks également. Ensuite vous avez le retour du pack Kira, donc Kira en tenue légendaire et en tenue rare pardon, avec ses deux customs différents. Elle ne craint jamais de se démarquer, fait partie de l'ensemble Impact saison 4 chapitre 2, donc voilà avec ses deux customs, comme vous voyez actuellement à l'écran. Avec sa version Lego, avec son impact vert qui sont accessoires de dos rares également et ses deux customs. Voilà. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes là. La lame voyante, donc c'est sa pioche atypique, afficher les couleurs, des couleurs agressives avec ses deux customs également. Et pour finir, donc son petit aigle vert qui est son petit planeur rare, donc avec ses deux customs lui aussi. Tout ça donc pour 1700 V-Bucks le prix du pack. Hors pack, donc vous avez Kira en tenue légendaire, en tenue rare, pardon, avec ses deux customs, sa version Lego et son impact vert, accessoire de dos rare également, avec ses deux customs pour 1200 V-Bucks. La voyante, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks et ses deux customs. L'aigle vert, c'est son petit planeur rare avec ses deux customs pour 800 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack Horrible Noël, donc avec Orge qui fait son retour complètement glucose. Donc, il va dire ensemble Noël Horrible, saison 1, chapitre 2, en tenue hippique, avec sa version Lego. Sucre acéré, donc c'est son accessoire de dos hippique, un délice douloureux, pardon. Ensuite, vous avez Gentillette, donc en tenue rare également. Comportez-vous bien sinon, avec ses deux customs, comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego. Et pour finir, donc, Fendeuse d'orge, donc qui est la pioche atypique, donc dangereuse, pas seulement pour les dents, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack dans les orges en tenue hippique, avec sa version Lego et son accessoire de dos sucre acéré hippique également pour 1500 V-Bucks. Gentillette, donc en tenue rare avec ses deux customs. Et sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Fendeuse d'orge, c'est la pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le pack et hors pack. Donc, ensuite, vous avez Reine Dragée, donc en tenue hippique. Donc, il n'y a pas de no y a pas que les noisettes dans la vie. Fait partie ensemble Casse-Noix, saison 7, premier chapitre. Donc, avec sa version Lego et sa petite casse-noisette qui est son accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Ronchon, donc en tenue rare. Donc, son jardin est une île, saison 7, premier chapitre. Donc, avec ses deux customs. Voilà. Avec sa version Lego et lanterne de jardin qui sont accessoires de dos rares pour 1200 V-Bucks. Prunelle, donc en tenue hippique, je suis pas une bleue, saison 7, premier chapitre, donc avec sa tenue, avec sa version Lego et ses élytres JV qui sont accessoires de dos hippique également pour 1500 V-Bucks. Floconeuse en tenue rare, donc avec elle,
Il neige tous les jours, saison 1, chapitre 2, donc avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Boule de neige, c'est une petite pioche rare pour 800 V-Bucks. Bourrasque, une deuxième pioche rare pour 800 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Krampus, donc avec Krampus en tenue légendaire. Il remplace temporairement le Perfetor. Je partage ensemble Krampus, saison 7, premier chapitre, donc avec sa version Lego. Le sac à morveux, c'est son accessoire de dos légendaire, bourré à craquer. La punisseuse, c'est sa pioche rare, elle traque les enfants méchants. Et pour finir, donc, la reine cruelle, qui est le planeur hippique. On n'a jamais revu ceux qui l'ont vu, donc tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Krampus en tenue légendaire avec sa version Lego et son sac à morveux avec son dos légendaire pour 2000 V-Bucks. La reine cruelle, donc le petit planeur épique pour 1200 V-Bucks. La punisseuse, sa pioche rare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le retour du pack All Might, donc avec All Might et ses deux customs en tenue légendaire, donc avec sa transformation All Might, c'est le mode intégré légendaire également. Le professeur Ninzu, c'est son accessoire de dos hippique. La All Smith, c'est sa pioche atypique. Et le symbole de la paix, c'est son symbole atypique. Donc tout ça pour 2200 V-Bucks. Donc ça fait partie de l'ensemble My Hero Academia. Ensuite, vous avez le pack seconde A avec Izuku Midinoria et ses deux customs en tenue hippique. Avec son alter d'Izuku, donc qui est son accessoire. Son emote intégré, la figurine d'All Might, c'est son accessoire d'Ordo hippique, Katsuki Bakudo, donc en tenue hippique également, et ses deux custom avec sa grenade à dos, accessoire de dos hippique également. Ensuite, vous avez donc Okano Hurakana, donc en tenue hippique avec son lévitateur d'Iravitique et son accessoire de dos hippique pour 2800 V-Bucks, le prix du pack. Ensuite, vous avez le pack équipement donc, de la seconde A, donc avec la hache du fouet noir qui est une pioche rare, la masse fragmenteuse, une deuxième, le broyeur d'Iravitique, la troisième pioche rare, l'analyse du héros, sa petite emote atypique, tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez All Might en tenue légendaire, donc avec sa transformation All Might et son professeur Nezu pour 2000 V-Bucks. Izuku Midinoria et ses deux customs avec son alter d'Izuku et la figurine d'All Might qui sont accessoires de dos pour 1600 V-Bucks. Okano Hurakana, donc en tenue hippique, donc avec son limitateur d'Iravity, donc qui sont accessoires de dos hippique pour 1500 V-Bucks également. Katsuki Bakudo, donc en tenue hippique avec sa grenade à dos accessoires de dos pour 1500 V-Bucks lui aussi. Ensuite, vous avez donc le symbole de paix, donc c'est la première emote atypique pour 300 V-Bucks, l'analyse de héros, donc c'est la deuxième emote atypique pour 300 V-Bucks également, l'âge du fouet noir, donc c'est la petite pioche rare pour 800 V-Bucks, le broyeur du Verity, donc pioche rare également pour 800 V-Bucks elle aussi, masse fragmenteuse, le même prix, elle est rare aussi, voilà, la All Smith, donc c'est la pioche atypique pour 500 V-Bucks, voilà, pack à pack. Ensuite, vous avez pack Soto Torodoki, donc avec ses deux customs en tenue hippique, avec ses ailes criant ardentes qui sont accessoires de dos. La lame pyroglaciaire, c'est sa pioche rare. Le glace et feu, c'est son emote rare. Le criant brûleur volant, c'est son plein air hippique. Et pour finir, donc vous avez l'uniforme de Yue, donc qui est un vêtement d'armes atypique, tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez Soto Torodoki en tenue hippique, avec ses deux customs et ses ailes criant ardentes qui sont accessoires de dos hippique pour 1500 V-Bucks. La lame pyroglaciaire, qui est sa pioche rare, et glace et feu, qui sont son emote rare pour 1000 V-Bucks. Le cryo brûleur volant qui est son petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack toujours My Hero Academia, donc avec le pack Ashido et Kishirama, donc avec Mina Ashido, avec ses deux customs en tenue hippique, avec son sac de Pinky, son accessoire de dos hippique, la hache acide, c'est sa pioche rare, la danse du festival culturel, c'est leur emote rare, Ejiro Kishirama, donc en tenue hippique, avec ses deux customs et son bouclier de Red Riot qui sont accessoires de dos hippique, la pioche et ses griffes de Red Riot rare, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Nina Ashido et ses deux customs en hippique avec son sac de Pinky pour 1500 V-Bucks. Un Shiro Kirishirama, donc avec ses deux customs également en hippique et son bouclier de Red Riot qui sont accessoires de dos hippique pour 1500 V-Bucks. La hache acide et la pioche rare pour 800 V-Bucks. La danse du festival culturel, c'est la remote rare pour 500 V-Bucks. Les griffes de Red Riot, donc qui est notre pioche rare pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du pack Rick Cornichon, donc avec Rick Cornichon, un accessoire de dos hippique, avec l'armée des larbins qui est l'écran de chargement atypique pour 500 V-Bucks. Le retour de Mega Morty, du pack Mega Morty, donc ça, c'est pas la même série, c'est la série Morty C-137, saison 7, chapitre 2. Donc en fait, bon, chacun a sa série, donc avec Anthony Hippique, Mega Morty. Avec son sac à dos de Morty, accessoire de dos hippique. Le serpent de l'espace, c'est sa pioche rare. Le gas subtil, c'est son emote rare. Et Benoît Nakuma, c'est son vêtement d'armes
rare également, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Mega Morty Anthony Peak avec son sac à dos de Morty pour 1500 V-Bucks. Le Serpent de l'Espace et sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Le Gat Subtis et son emote rare pour 500 V-Bucks également. Le besoin d'un coup de masse sans vêtements d'armes rare pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez le pack Monsieur Larbin, donc avec Monsieur Larbin, tenue hippique, avec sa boîte à larbin, accessoire de dos hippique, le katana invoqué, c'est sa pioche rare, et apparition de larbin sans planeur rare, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Monsieur Larbin, tenue hippique, avec sa boîte à larbin, accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks, le katana invoqué, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks, l'apparition de larbin sans petit planeur rare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack Summer Impératrice qui est revenu également avec Impératrice Summer et ses deux customs en tenue hippique avec son œuvre Glorzo accessoire de dos hippique. La fourchette viscérale, c'est sa pioche rare. Et le vaisseau de combat de Glorzo, c'est son petit planeur rare, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Impératrice Summer en tenue hippique et son œuvre de Glorzo accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. La fourchette viscérale, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Le vaisseau de combat de Glorzo, donc qui est son petit planeur rare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack The Weeknd, donc avec The Weeknd. En tenue série icône avec son masqué qui sont animote intégrée. La XO c'est sa accessoire de dos. La HXO c'est sa pioche. L'asso XO c'est son vêtement d'arme. Le rythme tendance c'est son emote. Et Grat XO c'est une première guitare et le clavier XO c'est une deuxième guitare. Tout ça pour 3500 V-Bucks. Alors pas que vous avez Weeknd combattant donc avec son masqué animote intégrée. Et son XO accessoire de dos pour 1800 V-Bucks. La Grat XO donc c'est sa guitare pour 1000 V-Bucks. Le clavier XO c'est son clavier donc pour 1000 V-Bucks également. Le rythme de tendance c'est sa petite emote série icône donc pour 500 V-Bucks. Voilà. La HXO c'est sa pioche pour 500 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite vous avez les tendances là. Cake My Ocean donc. C'est un objet utilisable dans Fortnite Festival et Battle Royale, Cake by My Ocean, donc c'est une petite piste musicale, donc voilà. Les musiques à télécharger ne sont pas évaluées par Peggy, donc jouez une piste musicale sur la scène principale Fortnite Festival ou lâchez-vous sur scène d'impro grâce aux 4 pistes d'impro, donc avec Dance pour 500 V-Bucks, Hendrick Lamar, donc Kendrick Lamar, donc aussi, donc pour 500 V-Bucks. Dirty Little Secret, donc The All American Projects, donc pour 500 V-Bucks. Thunder, donc c'est Imagine Dragon, donc tout ça pour 500 V-Bucks. Cradle, donc c'est une petite suburbine, donc c'est une petite piste aussi musicale pour 500 V-Bucks. Save Your Tears, donc ça c'est The Weeknd, donc pour 500 V-Bucks. Bad Guy, donc c'est Billie Eilish pour 500 V-Bucks également. Party Rock en thème donc avec LMFAO et Lauren Bennett et Gun Rock donc tout ça pour 500 V-Bucks. Seven Nation Army donc c'est notre petite piste musicale de The White Strip pour 500 V-Bucks. Bad Romance donc c'est Lady Gaga. Tout ça pour 500 V-Bucks. Donc ensuite vous avez Got In Star donc c'est Honor Republic donc pour 500 V-Bucks. Vampire c'est Olivia Rodrigo donc pour 500 V-Bucks également. Take My Break c'est The Weeknd donc pour 500 V-Bucks également. The Hill c'est The Weeknd également pour 500 V-Bucks. The Cherche donc c'est NF pour 500 V-Bucks. Mr. Bridgeside donc c'est The Killer pour 500 V-Bucks. Ensuite vous avez la flotte spatiale donc une petite guitare rare donc Fortnite Festival Battle Royale embarqué dans un royaume à travers la galaxie donc tout ça pour 1000 V-Bucks. La boîte à pizza c'est une batterie instrument je dirais rare pour 1000 V-Bucks également. Ensuite vous êtes sur le pack de quête de sauver le monde donc recevez l'accès à la campagne Sauver le Monde et au défi de Sauver le Monde qui vous permet de gagner jusqu'à 1000 V-Bucks. Donc vous avez l'accès immédiatement à la quête Sauver le Monde. Enfin, vous accédez à un mode de jeu Sauver le Monde. Donc, quand vous achetez ce pack à 8,99€. Donc, les défis de Sauver le Monde, gagner jusqu'à 1000 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes de Sauver le Monde. Défi déverrouillé en terminant la défense du bouclier de base 3. En terminant la troisième défense, défi déverrouillé en terminant la troisième défense du bouclier anti-tempête pour d'en sauver le monde. Donc, tout ça pour 8,99€. Donc, vous accédez à sauver le monde et il faut déverrouiller des quêtes supplémentaires pour gagner 1000 V-Bucks.
Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire Club Fortnite. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont vous pouvez taper delivery chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium. Grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous êtes déjà passé de combat, ils vont vous recevoir 150 debugs. Vous recevez 1000 debugs chaque mois à la date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est la jeûneuse osseuse, Antonio Atypique, avec son 5 crâneurs d'experts qui sont accessoires de dos atypiques. La trancheuse éclaireuse, c'est sa pioche atypique également. Donc tout ça pour 12€ par mois si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà. Sur ce, donc nous avons déjà au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. Et si t'es pas encore abonné, tu cliques en bas à droite, c'est complètement gratuit, donc tu peux pas cliquer en bas à droite et tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié d'une prochaine sortie vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code qui a enflammé ton été, qui va réchauffer ton hiver, c'est le code de l'année, c'est le code brasier en majuscule, en minuscule, en foutant la boutique de Fortnite, sans fois vous m'avez accepté, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, moi je vous dis qu'on se retrouve ce soir donc pour notre Let's Play d'Uncharted, la partie 12, donc à 18h, donc soyez présents, franchement, on va encore s'éclater et vivre des extraordinaires aventures des frères Drake, donc toujours à la recherche de leur trésor perdu, donc sur ce, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis passez une bonne journée, portez-vous bien, et à ce soir 18h, bye bye.